devoir a été accompli. C'est un ange tombé du ciel. Qu'est-ce que ce serait qu'un lucide? Tu te trompes. Je n'ai jamais été aussi sûre de mon chemin. Là-bas contre la patrie. Les députés girondins proscrits y sont réfugiés et ils organisent la contre-révolution. Je ne comprends rien pour l'instant. Ils le jettent à l'hôtel de l'intendance. Combien sont-ils? 18. Les noms de ces divisaires, tu as la liste? Je la connais par cœur. Je t'écoute. Il y a François Buzot, le député de l'Eure, qui s'acharne à encourager l'insurrection pour marcher sur Paris. Qui encore? Pétion, Gadet et Barbaro, qui ont adressé une proclamation aux habitants de Caen, les incitant à s'enrôler dans l'armée de Normandie, commandée par le général de Wimpfen. Parfait. Qui encore? Palardy, Louvet, Duchestel et La Rivière. Ils ont rédigé un manifeste qu'ils ont envoyé dans les villes de Marseille, Bordeaux, Toulouse, pour les persuader de marcher sur Paris. Ils veulent constituer une armée de provinces réunies. Sam, Augusti, vous en avez dit des proclamations après la révolte dans les départements voisins. Trust me, Carrie. If you trust me. Trust me, Carrie.
pénétrer entre la première et la deuxième côte. Joli coup. Ton nom? Marie-Charlotte Cordet d'Armand.